Eh ben, salut à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Donc, comme d'habitude, on va s'attacher à restaurer et à sortir des vieux machins d'une armoire, d'un placard, d'un grenier, d'une cave, voire d'une poubelle. Je suis Monsieur Chou, enfin pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, salut à tous. Donc, ben, j'ai appris dans le chat, parole d'homme, hein, que la PlayStation 1 fêtait ses 20 ans apparemment, je sais pas, cette semaine ou ce week-end, j'ai pas tellement compris l'histoire. En toute franchise, je prépare mes émissions 15 jours à l'avance. Donc, je savais pas. Je savais pas. Apparemment, Benza, il aurait fait une vidéo là-dessus pour vous dire le programme la semaine prochaine. Si j'arrive à tenir le stream la semaine prochaine à cause du boulot, ce sera les exclus sur Famicom Disk System d'ailleurs. Petite mise en abîme, je l'ai sortie, elle est là. Eh ben, salut à vous tous. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va d'abord revenir sur, eh ben, sur un sujet qui n'avait pas passionné les foules la semaine passée, mais je pense que ça va être un peu marrant de revenir là-dessus. Voilà, donc je vous avais parlé de la Retro VGS. Donc cette console, vous en avez fait marrer beaucoup d'entre vous. En fait, j'avais eu connaissance de ce truc, allez, 2 ou 3 heures avant le début du live. Donc j'avais pas eu le temps de prendre, comment dire, toutes les infos. Donc ben, je m'y suis mis un petit peu. Alors, depuis, il y a eu des photos et des prototypes qui ont été diffusés. Oh mon Dieu! Franchement, on dirait, mais je sais pas, je pense que des amateurs sont plus sérieux qu'eux. Ils ont pris des photos en se disant, ça va calmer les gens, ils vont se calmer, ils vont tous bien la fermer. Sauf que, eh ben, ils promettent du All American Made, donc tout fabriqué aux États-Unis. C'est entièrement bidon, parce qu'il y a des composants chinois sur les photos, surtout un composant chinois qui coûte aussi cher qu'une PlayStation 1, à savoir 10 balles, à savoir 10 euros, et qui, pour avoir vu des reviews sur Internet, est de la merde. Donc voilà, ça c'est déjà pour commencer, c'est une petite mise en abîme. Ensuite, les jeux en eux-mêmes, donc ils ont la forme, je vais essayer de vous remontrer si j'ai fait correctement mon travail, voilà. En fait, ils ont la forme d'une manette de Jaguar. Bon, jusque-là, vous dites, bah, c'est tout, ils ont repris la manette Jaguar. C'est bon, d'accord, mais il n'y a aucune exclusivité. En fait, cette console, c'est une toute nouvelle console de jeu. C'est pas une console qui va faire de l'émulation, c'est une nouvelle console à cartouche. On peut déjà s'interroger sur l'état de santé mentale de ceux qui veulent financer ce projet. Surtout que, en cas de problème, un jeu qui vient pas être marché, et qui vient pas marcher plutôt, bah comment tu veux patcher le jeu? Tu peux pas. Donc, bah, ça pose d'énormes problèmes. All American Made, non, non, mais c'est du bidon, hein. Je vous assure, c'est du bidon, hein. J'aime bien. En plus, il y a un post sur le forum Atari Age que je vous invite à aller lire si vous êtes anglophone, mais vous allez vous marrer, hein. C'est vraiment, pour moi, ce projet a tout du bidon. La manette en elle-même, alors je crois que j'ai une photo. Vous allez vous marrer, hein. Vous allez dire, waouh, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, voilà. La manette, c'est ça. Donc, on dirait une contrefaçon chinoise du Wii U Pro Controller. Pourquoi pas, à la limite. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en façade, ils ont mis deux ports USB et deux connecteurs, en fait, comme sur Atari Jaguar. Bon, on peut se demander l'utilité de mêler les deux. Mais bon, ça encore, quelque part, c'est pas trop un problème. Je vous rassure, hein, pour ceux qui sont pas passionnés par cette affaire, on en parle 5 minutes, on parle après d'un petit produit sympa, et puis on rentre dans le vif du sujet, je vous rassure tout de suite. Alors, pour les développeurs qui seraient tentés de développer des jeux sur cette machine qui s'appelle donc la Retro VGS, la rumeur court, et je pense que c'est vrai, que les développeurs devront reverser des royalties pour les coûts de fabrication des cartouches. Après tout, c'était comme ça à l'époque, donc pourquoi ça ne le serait pas maintenant? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Bon, après, outre le design assez bizarre des manettes de Jaguar, la dernière info pour dire à quel point ce projet mais, ne tient pas la route. Je suis allé voir le dimanche, donc jeudi dernier, je vous l'ai présenté. Du dimanche, j'ai été voir à combien de pourcentage le projet était financé. Il y avait 65 000 dollars sur les 1 950 000 requis. Bon, ok, tu te dis, ça démarre lentement, pourquoi pas? Cette chose coûte 299 dollars. Non, non, bah, c'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est un truc de malade.
Enfin bref, on discutera après de l'état de santé mentale de ces gens. Donc, vous me suivez. Dimanche dernier, 65 000 dollars. Hier, donc ce mercredi, je regarde, ils ont perdu de l'argent. Ils sont à 61 000. Donc, où il y a eu un bug, où plus le projet avance, moins il est financé. Plus les gens disent, non, mais finalement, votre truc, ça n'inspire pas confiance. Rendez-moi mon blé, quoi. Donc voilà, oui, 290, c'est aussi intéressant qu'une Ouya. Bah, la Ouya, je pense que c'était pour le coup plus intéressant. Enfin voilà, ça c'était donc pour le petit aspect. De toute façon, il fallait en parler parce que depuis, j'ai pris le temps de regarder un peu ça de plus près. Je vous dis, le post sur le forum Atari Age, mais, il est phénoménal. À chaque page, vous trouvez une info qui vous dit, mais ils sont fous ces mecs, ils sont fous. Enfin, donc on passe d'un truc à 299 à un truc à 10 euros. Donc un barbu dénommé Bifrost m'avait conseillé au mois de juin. J'ai encore ma webcam qui devient floue, mais c'est pas grave. M'avait conseillé, m'a dit, Chou, si tu veux des manettes type Super Nintendo qui coûtent vraiment pas cher en USB, il y a une marque qui fait des trucs pas mal, s'appelle eBuffalo. Et ben en fait, j'en ai commandé. Alors malheureusement, les deux manettes type Super NES. Elles sont dans une boîte. La boîte, je l'avais déjà filmée, emballée dans du film plastique pour préparer ce week-end où je tiens un stand. Enfin, ça, c'est le boulot, c'est du professionnel. Je passe outre là-dessus. Mais par contre, tout à l'heure, à 14 h, le facteur m'a ramené, voilà, les modèles Famicom. J'en avais commandé. Donc, j'en ai donc commandé deux. J'en ai sorti une. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Vous avez donc quatre boutons sur la façade. Start Select, donc là c'est les boutons pour le turbo, et vous avez deux petites gâchettes derrière. Au niveau de la prise en main, c'est pas dégueulasse. Je les ai pas testés encore, voir ce que ça vaut. Donc je vous donne juste un peu le truc, ce que ça donne une fois en main. Après, on m'avait offert ça, donc la Retro Link, c'est une clone d'une manette de NES. Elle était pas mal dès l'instant où je l'avais un peu customisée pour mettre une croix directionnelle d'une vraie NES plutôt que la croix qui était dedans. Chacun en pense ce qu'il veut. Mais honnêtement, hier, j'ai pris le temps de bien tester les modèles eBuffalo Super Nintendo. Pour 10 balles, pour 10 euros, livraison gratuite, je pense pas que vous pouvez vous tromper. Après, il faut voir combien de temps cette manette va durer. Mais vous voyez, au niveau du cliquetis, on n'a pas un cliquetis de plastique dégueulasse. J'ai pris le temps, étant donné que j'ai sorti ma Famicom et que je l'ai mise là. Et j'ai regardé d'un peu plus près, voir ce qui pourrait. Bon, bien sûr, le toucher des boutons, la croix est pas pareille. La croix, je pense pas que vous allez pouvoir le voir, mais bon. Vous voyez que c'est incurvé en fait de l'intérieur. C'est un peu plus incurvé sur les Buffalo que sur la manette NES originale. Est-ce que ça a une incidence sur la façon de jouer? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, pour 10 euros, c'est pas mal. J'ai juste pas testé sur Macintosh. Je l'ai pas encore branché sur mon PC Windows. J'ai juste testé sur un Raspberry où il y avait la distribution Recalbox version 3.2. C'est passé nickel. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout. Moi, je crois que je les ai achetés sur Amazon. Enfin voilà, donc ceci étant fait, on a assez fait de la réclame pour les produits chinois. Hop, on va allumer la PlayStation, tiens. J'espère par contre j'ai bien réglé les volumes, sinon ça va être l'enfer. Mon mélangeur, il est où? Il est là. Ah, voilà, je pense que là, ce sera mieux. Alors, si le volume est monté d'un seul coup, pardonnez-moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va visiblement, c'était les 20 ans de la PlayStation. Je vous assure, je n'en savais rien. Donc, bah, j'ai dû éditer mon T8. C'est comme ça. Donc on va se faire un petit crash Bandicoot. Par contre, wow, le son du crash dans le... Voilà. C'est bon, c'est nickel. Voilà. Donc on va se faire un petit crash Bandicoot en seconde partie d'émission. Il y aura un tuto sur... On m'avait demandé ça il y a longtemps. Comment enlever des griffes blanches sur du plastique. Très simple à faire, hein, de toute façon. Mais oui, hein, pour revenir un peu sur la rétro VGS, hein, 299 balles. Ça vaut pas le coup, je suis désolé. Il y a peut-être des bonnes intentions à la base, mais ils ont un peu. J'ai l'impression qu'ils ont menti un peu allègrement à tout le monde. Et quand ils ont senti que le vent commençait à tourner, bon bah ils ont sorti des trucs un peu au pif. Donc on fera aussi une review troll du Barcode Battler histoire de se marrer. Donc,
Bon, ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Donc, le tuto sur comment retirer les griffes sur un plastique blanc. Hop! Allez, on va se faire un Crash Bandicoot. Donc, aujourd'hui, j'ai pris trois jeux. Je dirais pas au pif. Parce qu'à la base, je voulais faire du RPG. Mais quand j'ai vu le temps que ça allait mettre à démarrer, le temps que l'intrigue se passe et tout machin, j'ai préféré Backdash sur autre chose. Alors Crash Bandicoot, certains aiment pas. Moi perso, j'ai jamais été contre. Le 1, j'avais kiffé à l'époque. Que ce soit l'ambiance, hein, le level design et même les musiques et tout, j'avais vraiment bien aimé ça. Et le 3, en fait, je l'ai découvert quand je me suis mis à le collectionner. D'ailleurs, on va parler tout de suite, le temps qu'il y ait le temps de l'intro, on va parler de la cote. Donc Crash Bandicoot 3, maintenant, il vaut 15€ facile. Bon, je vais cacher l'enseigne du magasin. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je l'ai payé 3,99€. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe en ce moment au niveau du marché du rétro. D'ailleurs, je vais vous lancer après un petit débat, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en ce moment, j'ai remarqué que les prix des PlayStation 1 repartaient, mais énormément à la hausse. Pourquoi, je comprends pas. Étant donné que des PlayStation 1, il y en a toujours autant sur le marché, personne n'achète ça. Ah oui, c'est parce que j'ai mis un analogue que je pouvais pas passer, non? Pas ça? Ok. Voilà. Ouais, c'est l'étiquette du cash bidule. Donc oui, les prix des PlayStation sont repartis à la hausse. Et je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, il y en a toujours autant en circulation. Et j'ai constaté en ce début de semaine une PS1, donc pas la PS1, pas le modèle de la deuxième génération, le modèle un peu plus petit avec une alimentation externe. Donc on parle bien de la PlayStation 1, le modèle gris qu'on a quasiment tous eu à l'époque et qui tombait facilement en panne. Remarque, l'autre n'était pas plus fiable non plus. Hein. Mais j'ai constaté qu'elle était déjà remontée à 15-16€, enfin non, à 19€, et tout à l'heure je l'ai vu dans un autre magasin à 15€. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les blagues. Elle était à 15€ avec une belle étiquette. J'ai pas voulu prendre la photo parce que je voulais pas faire de la pub au magasin. Mais c'était marqué, je mets poste, ça me fait rire. C'était débile. Vous avez une étiquette à côté du prix marqué « Petit problème sur le bouton éjecte ». Bah dans ce cas-là, elle est pas 100% fonctionnelle ta machine. Donc c'est pas de la vendre à 15 balles. Enfin. Mais effectivement, King Fantasy a peut-être annoncé une... Un début d'explication, c'est peut-être aussi, en fait, la console que ceux qui ont maintenant 22 ans, veulent avoir. Et aussi le fait, c'est une question qu'on me posait souvent, je me disais, mais j'ai envie de commencer à collectionner du rétro, par quoi je peux commencer? Bah, j'ai toujours dit, hein, la PlayStation 1, c'est très bien, parce qu'il y a une ludothèque de jeux à des prix vraiment abordables, et pour le coup, quand même, d'assez bons jeux. Ah voilà, lui c'est le chevalier... Voilà, ah! Le chevalier moisique à chaque fois. Une PS1 fat en loose, pour moi c'est 10 balles. Compte un peu plus si t'as une mallette en bon état. Voir si t'as deux manettes et un jeu, c'est un petit pack sympa. Achetez jamais de PlayStation au marché aux puces. Grand principe de vie, les consoles à CD. N'achetez jamais ça en brocante. Parce que... Si rare la console soit-elle, si y a un problème avec le lecteur CD, avec la lentille... Autant je sais que des lentilles sur Saturne, à un moment donné, ça se trouvait. Mais sur certaines machines, je sais pas si vous pouvez trouver ça relativement facilement. Salut à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Je vous rassure, on va pas faire que du Crash Bandicoot. Si on a le temps, on se fera un autre jeu de plateforme, mais ce coup-ci en 2D. Mais ce jeu de plateforme... Je l'aime pas, donc on montrera histoire de voir que on critique les vendeurs, mais là, attends, excuse-moi, je vais regarder le tweet. Ah ouais, 29,90. Oh, ça fait mal. Waouh. J'ai vérifié en fait les prix hier soir un peu partout. Généralement, en dessous de 20€, vous trouvez un Crash Bandicoot. Même à 15€ complet, ça se trouve. Non, aujourd'hui, on va faire que du classique. Que du classique. Bon, là, il y avait le Crash 3. Parce que j'ai envie de le faire, en fait. Et en plus, la PlayStation 1, on n'en a pas parlé souvent. On en avait parlé, je pense,
qu'une fois ou deux dans 40 émissions. De temps en temps, il faut aussi changer des sempiternels NES et Mega Drive. Hein. Bon, là, visiblement l'occasion s'y prêtait, même si... Eh ben, j'ai dû éditer mon tweet en urgence. Parce que j'avais pas percuté que c'était les 20 piges de la Play. Il y a quand même on peut dire ce qu'on veut sur pas mal de gens 3D qui ont très mal vieilli. Moi, en fait, j'en ai pas de préféré dans cette trilogie des Crash Bandicoot sur PS1. Bah, sur PS1. J'aime bien les 3. Celui auquel j'ai le plus joué, bien sûr, c'est le 1. Je l'ai eu à l'époque, le 2, j'ai pas joué beaucoup hein, quand je l'ai récupéré. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, si tout va bien, les concours du guide du collectionneur devraient revenir dès la semaine prochaine. Donc, dès la semaine prochaine, il y aura des trucs sympas à faire gagner. Mais à condition, avant que j'envoie un lot que je dois envoyer depuis 3 mois, que j'avais perdu dans ma pièce de stockage. Je l'ai retrouvé hier en bougeant un carton. Mais bon, vieux motard que jamais, comme on dit. Donc là, pour ceux qui posent la question, je ne joue pas en émulation. Je joue bien sur la console originale. J'ai ma vieille manette ici, j'ai les jeux. De toute façon, vous avez bien vu l'écran de boot de la console tout à l'heure. Je ne sais pas si cet écran de boot, il est là en émulation. Pourquoi on ferait de l'émulation alors qu'on a la console originale? Oh non, non! Ah oh oui, c'est ce niveau de chiasse! Ah, c'est ce niveau de chiasse. L'épisode 4, enfin, la vengeance de Cortex, il me semble que je l'ai. Je me souviens pas y avoir joué. C'est sur PS2, hein, il me semble. Le Crash Team Racing, je l'ai aussi. J'aime pas. Là, par contre, je pense que c'est un jeu où beaucoup de gens sont d'accord là-dessus pour dire que, vouloir copier du Mario Kart, on finit par faire quelque chose de vraiment pas bien. Putain, il est chiant, lui. Laisse-moi passer, voilà. Non, non, va par là, voilà. Par contre, dans le 3, il y a pas mal d'idées un peu nouvelles comparé aux deux premiers. Mais est-ce que ça en fait un jeu... Je dirais pas supérieur, mais d'une qualité peut-être un peu meilleure que les deux autres, et ben honnêtement, je pense pas. Et c'est tout le contraire d'un jeu comme Earthbound Jim, où dans le 2, ils ont enlevé des choses qu'il y avait dans le 1 qui marchaient plutôt pas mal, qui permettaient de casser un peu le rythme du jeu. Et en enlevant ça, en fait, je trouve que le 2 est beaucoup moins bien. D'ailleurs, il est dans la pile des jeux que si on a le temps, on y jouera. Muppet Race Mania, ouais, je connais pas ça. Je connais Bomberman Kart. D'ailleurs, j'en profite aussi. J'ai eu une petite critique il y a pas longtemps sur YouTube en disant oui, mais. Enfin, c'était un message privé un peu à la con. Oui, mais des fois, sur tes lives, tu réponds pas tranquille, tu réponds pas aux gens. Envoyez-moi un tweet si vous voyez que dans le chat, je peux pas vous répondre. Ou que je vois pas votre message, c'est pas parce que forcément je ne veux pas vous répondre. Envoyez-moi un tweet, c'est tout aussi simple. Alors, tu parles pas des différentes versions, les 3 premiers modèles. Si en fait tu en avais. En fait, les 2 premiers modèles de mémoire avaient quelque chose qui permettait, qui était une sorte d'anticopie basique. Parce qu'à l'époque, on utilisait un CD de démo ou un CD original pour lancer les copies, quoi. Après, ils ont sorti un autre modèle qui retirait le. La prise Action Replay derrière la machine, si ma mémoire est bonne. Et vous avez encore l'autre modèle qui est en fait le modèle remanié, celui qu'on appelle grosso modo la PS1. C'est le modèle plus petit avec une alimentation externe. Voilà, voilà. Si ma mémoire est bonne, après, j'avoue pas être un super expert des PS1. Speed Freak est un excellent Mario Kart-like. D'accord, eh ben, je ne connaissais pas. Je connaissais juste Bomberman Kart sur PS2.
qui est l'un des jeux les plus mous auxquels j'ai pu jouer. C'est vrai. Hein. Et pourtant, j'ai beau aimer Mario Kart. Là, c'est... J'ai beau être matinal, j'ai mal. Pourtant, des jeux de chiasse sur la licence Bomberman, hein. Il y en a eu quelques-uns. On le fera peut-être un jour. Tiens, un petit live là-dessus, ça pourrait être marrant. Là, par exemple, vous voyez, ces séquences en auto-scroll, moi, j'en suis pas fan. Certains vont dire, ouais, c'est pas si mal que ça. Moi, je trouve pas que ça en fait vraiment quelque chose d'original, hein, des niveaux en auto-scroll. Surtout là, dans de la 3D. C'est pas le truc le plus utilisé sur les jeux de plateforme en 3D, on est d'accord, mais... Moi, je trouve pas ça excellent, enfin... Chacun ses goûts, ça n'en fait pas un mauvais jeu, loin de là, au contraire. Hein. Ça fait partie des... Je dirais pas des meilleurs jeux de la machine, mais voilà. C'est lequel ce Crash? C'est le 3. Crash Bandicoot 3, Wart. Voilà. Bomberman Hardball, oui. Mais, tu sais, Kaikun, il existe... Encore plus dégueulasse que Bomberman Hardball. Sur Super Famicom, il existe deux jeux. Qui est Panic Bomber, qui est pas génial. Mais il y a pire encore que Panic Bomber. Comment il s'appelle ce jeu? Ah, il y a un jeu Bomberman qui sort de jeu de bowling, tout bizarre. Bomberman Bidaman, voilà. Et quand vouloir t'unir, Bomberman World sur PS1, j'ai les deux Bomberman sur PS1, ils sont très bien. Et en plus, comme c'est une manette généralement, comme c'est une console généralement, c'est facile de trouver des manettes et des multitaps, on en trouve à un prix relativement correct. Donc c'est assez sympa de pouvoir jouer avec ses potes. Non, attention, hein, Panic Bomber, j'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai dit que c'était pas fou. Alors par contre, dans Crash Bandicoot, moi il y a un truc que j'aimais pas. C'est les niveaux comme ça, avec un auto-scroll mais inversé. Ouh là là là. Ça promet des belles ambiances. Comme vous le connaissez, j'ai des réflexes légendaires. Au point des fois, quand il y a un truc qui passe et que j'avais pas prévu, je me déconcentre et je me fais avoir. D'accord, c'est bon, c'est passé. En fait, j'aime rien à part Metal Slug. Non, je n'aime rien à part Toki sur arcade, c'est tout. Non, je plaisante. C'était juste pas fou en fait, Panic Bomber. Comparé à certains autres puzzle games. Mais après, je suis pas connu pour être quelqu'un qui a des goûts de très bon goût. J'aime bien Kirby no Kira Kira Kids sur Super Famicom et surtout sur Game Boy. Qui est pas un jeu foufou. Avec une seule et même musique qui se répète en boucle. Pourtant, j'aime bien le jeu. Bon, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein, qui envoie des fois des petits messages à la con sur YouTube. C'est prenez pas trop ce que je dis comme parole d'évangile, je suis pas infaillible. C'est pas parce que je dis que j'aime pas un jeu que forcément c'est de la merde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, c'est un bonus stage ça. À quoi servent les pommes dans Crash Bandicoot? Ouais, c'est une question qu'elle est bonne ça. Enfin, un fan absolu de Toki, non, c'est juste que c'est un jeu qu'à l'époque, je le voyais en arcade, j'ai dit, ouais, le jeu, il est craqué. À chaque fois, je me faisais avoir, je mettais 10 balles dans la machine. Et à chaque fois, je me faisais un peu baiser parce que je savais pas y jouer. Ce qui fait que quand j'ai vieilli et que j'ai découvert le jeu en émulation, je me suis mis à le doser. Donc, c'est juste pour ça que j'aime bien le jeu, quoi. Ah, Excalibur, bah ouais, non, après tout, qu'est-ce que le bon goût? C'est quelque chose forcément de subjectif. Oh là 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 là, lui va m'embrouiller, je le sens. Voilà. Faire le plein de pommes, je crois, c'est un peu comme les pièces dans Mario, hein. Je crois que c'est un truc du genre, au bout de 100 pièces, t'as...
ou de 100 pommes plutôt. Tu as une vie. Tu as une vie gratuite. Donc info intéressante, apparemment on peut faire la débroussailleuse, d'accord. Voilà. En fait, ces niveaux où le plan du décor vient à changer, ça me rappelle Pandemonium, je sais pas vous. Je l'avais préparé d'ailleurs ce jeu, hein, je l'avais envisagé. Et au bout de deux niveaux, je me suis fait chier. Et je me suis dit, comment tu vas pouvoir hyper le jeu si au bout de deux niveaux, tu t'emmerdes déjà? Est-ce que j'aime les Fallout? En fait, j'ai pas tellement eu l'occasion de m'y intéresser. C'est des jeux qui ont l'air sympas. Pas mal de choses dedans. Faudrait que je m'y mette à l'occasion. Le problème, c'est que j'ai pas le temps d'y jouer, quoi. Ah, c'est comme le dernier Metal Gear. J'ai plein de potes qui me disent « Ah, le jeu, il est trop bien. Tu devrais t'y mettre. » Le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'actuellement, j'ai une vie professionnelle assez chargée, voire assez mouvementée. Pour vous dire, si le live aurait dû avoir lieu lundi, je pense que j'aurais annulé. Ce week-end, je me suis déboîté l'épaule. Et j'avais tellement mal lundi. Putain, je fais vraiment n'importe quoi. J'avais tellement mal lundi que je pensais même que si jeudi ça se calmait pas, j'allais pas pouvoir streamer. Par chance, ça s'est calmé. Puis comment en fait, je préparais aussi du matériel pour ce week-end, parce que je tiendrai un stand à l'inauguration d'une médiathèque pas loin de chez moi. Donc c'est pour ça. Oh non, l'off, non, faut déconner. Donc en fait, là, il faut que je passe à droite. Putain, faut vraiment... En fait, tout est subjectif. Par contre, on peut être d'accord pour dire qu'il y a des jeux qui ont peut-être vieilli plus mal que d'autres sur PlayStation. Mais c'est comme la NES, hein. Tu prends les premiers jeux à être sortis, les jeux du lancement comme soccer, tennis, tu les vois avec les yeux de maintenant, tu te dis c'est pas fou quand tu compares à des jeux qui sont sortis sur la fin comme Mario Bros 3, des choses comme ça. Oh là 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 là. C'est bon, c'est passé. Ah, le bouquin est arrivé. Bonne nouvelle, Beyond, bonne nouvelle. Va falloir d'ailleurs que je te contacte à ce sujet, d'ailleurs. Je veux mon exemplaire dédicacé, tout simplement. Après, comme je le dis depuis un certain nombre de temps, si vraiment vous voulez quelque chose de sympa pour jouer sur votre télé et pas vous faire chier, vous prenez un Raspberry, vous mettez Recalbox dedans. Si vous avez déjà des manettes PS3, vous achetez deux dongles Bluetooth qui sont compatibles. Manette sans fil, vous êtes bien. Ou alors, vous investissez dans deux manettes Type Buffalo dont on a parlé tout à l'heure. Vous achetez deux manettes Type Buffalo Type Super Nintendo, puis vous êtes bien. Vous avez un pas de 6 boutons et vous jouez peinard. Quel bouquin Beyond faisait allusion à la Bible Master System et Game Gear que je n'avais pas commandé au moment de sa sortie. Et donc j'espère qu'il en reste encore. Parce que je n'avais pas de sous. J'ai pas déjà fait ce niveau. Warproom, si. Il me semble que j'avais fait celui-là. Ouais, effectivement, Mario 3 chez nous, c'est vrai qu'on l'a eu super tard. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera donc, je l'avais dit, les exclus sur disque système. On a fait ça ou quoi? Ah ouais, on a fait. Voilà. Ça, on l'a pas fait. Le boss. Oups. D'accord. À la Bible Super NES, quand ça va ressortir, je sais pas, mais moi je l'ai. C'est pas fou comme bouquin. C'est des tests de 4 lignes. Ok, donc accélérer, c'est là. Oulalalala, oulalalala, ouais, vrai 64, calme-toi. C'est quoi, c'est un tremplin ça ou un baril de dynamite? D'accord. Voilà. Un niveau style Waveress. Je détestais Waveress 64 à l'époque. D'accord. Okay. Un petit checkpoint, voilà. Wow, on va se calmer.
fait, j'ai pas rejoué à ce jeu depuis très longtemps. Du coup, je m'en souviens plus tellement, c'est pour ça que je suis obligé d'être assez attentif. Comme je vous l'ai dit, comme je prépare très souvent mes lives 15 jours à l'avance, ça arrive des fois, la veille du live, que je reteste les jeux, en fait, que j'avais prévu. Et je me dis, finalement, c'était pas fou. Il va peut-être mieux prendre autre chose. Et en fait, j'avais prévu... Attention, hein, le jeu, je l'aime bien, c'est juste qu'en fait, le début, il est assez chiant. J'avais prévu Breath of Fire 3. Et du coup, bah, j'étais un peu décontenancé, du coup, ça m'a... forcé à préparer autre chose. On peut skipper, non. Non, c'est pas un niveau type speedrun, ça, par contre. Wow. Ils sont sérieux. Apparemment oui, mais ah, il est chiant ce niveau. Concentre-toi. Ah, c'était juste ça. Ouais, on envoie le lien sur Twitter. Mets le hashtag guide collectionneur, Beyond, n'hésite pas. Ah bah voilà. Au moment où je dis ma phrase, le tweet il apparaît, c'est bien. La Bibesness, elle est encore dispo, je pense. Hein. Je l'ai vu en magasin. C'était quand? Non, je confonds. Confond avec le bouquin Miyamoto que j'ai vu en fait en magasin. Load save, non, mais. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est il reste 10 minutes avant la pub. Bon, je m'étais dit, on ne fera pas ce jeu, mais on va le faire quand même. Parce que pour le coup, vous pourrez me dire, vous, ce que vous pensez de ce jeu. Parce que moi, c'est un jeu que j'ai jamais aimé. Oh, c'est violent. C'est violent à quel point je le déteste. Et ce jeu, c'est. Earthworm Jim 2, mais je le déteste sur PlayStation à cause de son animation dégueulasse qui ferait même pas honneur à une NES. On peut faire un speedrun et un time... Ah oui, un time attack, oui, effectivement. Effectivement. Wavres Gamecube, je l'ai jamais fait. J'aimerais bien d'ailleurs le trouver. C'est parti des jeux GameCube que je recherche, mais à un prix respectable. C'est-à-dire que je suis pas prêt à foutre beaucoup de brousouf là-dedans, malheureusement. Malheureusement. Alors, Earthworm Jim, le 1, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un jeu que j'adore. Mais vraiment, hein, il y a... pas d'embrouille, le jeu, je trouve qu'il est vraiment excellent. Mais le 2... Pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez. Autant le 1, il y avait les séquences avec... Ah, comment il s'appelait? Avec Larry Astéroïde ou un truc comme ça. Je me souviens plus le... Essayez de regarder le temps que ça charge. Hop, voilà, mettre pause vite fait. Non, c'était pas Larry, c'était quoi le nom de ce personnage? Enfin bref. Le fameux perso en fait que non, vous chevauchez le. Eh ben, dont vous chevauchez l'espèce de roquette. Moi j'aimais bien ces petits stages, même si c'était répétitif. Déjà je trouvais la musique stylée, parce que foutre une musique à hein, musique country western dans un jeu vidéo, fallait quand même oser. C'était un truc qui me faisait marrer. Comme quoi les portages HD existaient à l'époque. Et ben les portages HD d'Earthworm Jim 2, ben ils sont pas sur PlayStation. C'est pas le portage PlayStation 1. Je vous assure, hein, la qualité d'image est immonde. Par contre, le jeu en lui-même est toujours. C'est partagé comme truc. Je trouve qu'il y a des éléments de gameplay qui sont assez irritants en fait. Comme par exemple ces trucs là qui sont imbloquables, qui vous tirent dessus.
que si vous êtes trop haut, vous pouvez pas les buter, et que des fois, même si t'es à bonne distance, et ben... Ça te donne l'impression d'un jeu qui est pas fini. Ah oui, le passage avec les vieilles. Le passage avec les vieilles. Là, je crois faut... Voilà, avancer et freiner. Ce truc-là, à l'époque, m'avait rendu dingue. Et c'est un jeu que j'ai eu à l'époque. On va profiter pour parler du prix tout de suite, au moins on sera tranquille. Croyez-le ou non, sur PlayStation 1, complet, en bon état, ça vaut 50 balles, Earthworm Jim 2. Alors là aussi, je vais me taper encore une série de mamie sur le Montescalier de Jean Lefebvre. Et j'ai pas envie, parce que ces séquences, elles sont chiantes. Mais d'une force. Voilà. Voilà, nickel. Je n'ai pas de câble RGB pour ma PS1, effectivement. D'ailleurs, ce week-end, j'ai fait une brocante. La seule chose qui était intéressante, c'était une PS1 avec le câble RGB. Et j'allais pas racheter une PS1, même pour pièce, juste pour un câble. Donc du coup, ben, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais j'en trouverai un jour, je ne désespère pas. Ce qui fait que je perds beaucoup en qualité d'image, en fait. Pour le peu que je joue à ma PS1, ce serait bien d'en avoir un, hein, je dis pas le contraire, mais... Je serais curieux de savoir comment il y a de cochons là-dedans, en fait, dans ce bidule. Hop, donc vraiment là, je peux passer. On va passer comme ça, mais... Voilà. C'est là la séquence, ouais. Ouais. Voilà. Nickel. Ouais, 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 il vaut 50 balles. Hein. J'ai vérifié le prix hier, en fait. Vaut mieux le prendre sur Mega Drive. La différence entre les deux versions, c'est que tu as une musique qui me semble en qualité CD sur PlayStation, tandis qu'en Mega Drive, tu as des sons un peu plus Mega Drive, on va dire. Donc, un chipset un peu criard. Mais pour le coup, moi, je préfère totalement la version Mega Drive, et je pense que ces voix digitalisées, elles y sont pas dans la version Mega Drive, mais ça reste à vérifier. Pour le coup, je ne suis pas sûr. Perso, je trouve la version Mega Drive plus belle, ADN l'atomique, et ben moi je suis totalement d'accord avec toi, surtout sur ce niveau. Ce niveau dans la version PlayStation 1, quand vous arrivez là, vous dites mais. Putain, mais qui c'est qui a chié sur ma télé ? La première fois où j'ai rejoué au jeu, après avoir acheté sur PS1, j'ai eu la version PS1 en premier. Quand je me suis mis à collectionner, elle était assez facile à trouver à l'époque. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est juste dégueulasse. Et encore, ce que vous voyez là, au niveau de la capture de la vidéo, c'est honnête comparé à ce que j'ai sur ma télé, hein, je vous assure. Ça peut vous sembler fou, mais... On dit généralement les streamers ont plus belle qualité d'image chez eux que ce que l'on voit, et ben là c'est l'inverse. Il y a des voix sur Mega Drive, mais pas de qualité, c'est des voix là. Ok, d'accord. Parfait. Mille caglures. Parfait, ok. Merci pour l'info. Parce que pour le coup, ça fait un bail que je n'ai pas joué à la version Mega Drive. Hop, voilà, un checkpoint. En fait, ce niveau est chiant. Parce qu'en fait, c'est une fucking course contre la montre. Mais elle est chiante, cette course contre la montre. On pousse à aller vite, mais parce qu'il y a des trucs chiants à faire. Et voilà tout. Et c'est tout le problème du jeu, c'est qu'il y a des fois des choses qui sont pas si mal, mais que tu as des séquences qui sont... Voilà, comme par exemple ça, où tu tires dessus, mais ça fait pas le taf, ça... Il y a des choses qui le rendent un peu... Même beaucoup plus crispant que le 1, alors que le 1, il y avait quand même des séquences qui étaient crispantes, ça, je vous l'accorde. Et je le trouvais quand même un peu plus sympathique. Voilà. Espérant pas m'être trompé de côté. Voilà, histoire que lui vienne pas m'emmerder. Par exemple aussi, ces ennemis là, qui sont aussi super chiants. Espèce de tête d'oiseau verte.
Monsieur Chou, tu connais Command and Conquer? Après la pub. Ah bah oui, hein. Ah oui, mais bien sûr. Il y a quelques temps que GE2 l'avait fait, hein. Je crois que c'était sa alerte rouge, il l'avait fait. Et je voulais le faire depuis tellement longtemps. Et en fait, j'avais pas prévu de le faire. Et je crois que c'était quand? Hier ou avant-hier, hein, qu'il y a eu une vidéo du joueur du grenier, hein, sur la chaîne Bazar du Grenier. Et ça m'a donné envie de refaire Alerte Rouge. Donc j'ai un peu joué au jeu hier soir. Et hier soir, j'ai un peu décidé aussi de dire, bon allez, finalement. Quand en plus c'est un jeu que je connais quand même relativement bien, ça permettra de montrer peut-être pas mal de choses. Et aussi de pouvoir jouer à la cool en seconde partie des missions. C'est quoi mon micro? J'utilise un Audio Technica AT2020. Il me semble que il y a les mêmes dans les locaux de Gaming Live. Je crois que c'est le AT2020 Plus ou un truc comme ça. J'utilisais un filtre anti-pop pendant un moment. Je l'ai retiré pour voir ce que ça donne. Je n'ai constaté aucune différence. À croire que je ne postillonne pas assez. J'ai pas envie de postillonner plus pour essayer, voilà. Ça sent la mort en poule. Si j'attrape pas ou du temps ou un checkpoint. Y a pas quelque chose là en dessous? De mémoire, non? Je m'étais pas fait avoir comme ça hier. De toute façon, ça va être l'heure de la pub. De toute façon, moi, c'est généralement le niveau qui me fait un peu péter un câble. Parce qu'il est chiant. Sur PS1, il est moche. Joue à Dragon's Lair sur 3DO. Dragon's Lair, je l'ai sur CDI, il me semble. En tout cas, j'ai l'une des suites de Dragon's Lair sur CDI. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette suite. Bubsy 3D, non. En fait, il y a un sujet que j'ai pas encore fait avec la PlayStation 1. C'est les jeux de chiasse. Waouh, j'ai fait un Just Frame là. Enfin, du coup, comme c'est l'heure de la pub, le temps de setup le prochain jeu, le temps de setup aussi un truc dont on va faire la review. On va envoyer la pub juste avant. Je vais lire un petit peu le chat. Est-ce que je dessine? Je dessine un petit peu. Je suis très mauvais. C'est vrai, c'est un passe-temps que j'adorais il y a quelques années. Malheureusement, j'ai plus le temps pour m'y investir. Je laisse ça à d'autres personnes qui ont plus de talent que moi. Alors, Monsieur Chou, connais-tu la modif Péritel Mega Drive 2 qui permet de supprimer les parasites audio-vidéo? Je la connais cette modif, j'en ai pas encore fait un tuto parce qu'en fait, quand je stream, j'utilise généralement une Mega Drive 1, ce qui est beaucoup mieux d'un point de vue de la qualité d'image. Et j'ai plus confiance aussi au Mega Drive 1 plutôt que les deux. Voilà. Eh ben écoutez, on fait une petite pause et on revient dans un petit 5 minutes. À tout de suite.
De retour dans la deuxième partie et je suis flou. Coucou, la webcam. Oh là là là. Webcam roumaine. Assemblée en Moldavie, la marque essentielle C. On va pas, faire la pub. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite envoyer le tuto qui va bien sur... Sur quoi d'ailleurs ? Ah oui, comment retirer des griffes blanches sur du plastique. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas à s'embêter avec ça. Après, on revient, on fait la critique. Enfin, on va parler du barcode battler plutôt, on va pas en faire la critique. Et entre-temps, étant donné qu'on va jouer à... Comment dire ? À commander de conquérir alerte rouge, dites dans le chat quelle faction on joue. Ou les cocos ou les ricains. Voilà, vous dites. Allez, tuto et on revient dans 2-3 minutes. Dans la rubrique, fais tout toi-même et fais surtout des recettes originales aujourd'hui. Non, on va pas faire une intro comme Monsieur Marcadet et la cuisine de Monsieur Marcadet. Donc j'ai commandé un disque système qui arrivait dans deux colis bien distincts. Le second est... On sait pas où, mais bon, en attendant, avant de pouvoir le tester, on va déjà améliorer son aspect cosmétique. Bon, mis à part les choses dans lesquelles on avait déjà parlé, il y a sur la machine, je vais essayer de zoomer bien comme il faut, voilà, je pense que vous allez voir correctement, voilà, c'est nickel. Il y a des griffes blanches comme ça sur du plastique. Alors moi, on m'a beaucoup demandé, depuis un an et demi, si j'avais une méthode pour ça. Bon, tout d'abord, deux choses l'une. Soit vous avez un plastique brillant, laqué, et là, c'est possible d'enlever ces griffes. Vous avez un plastique un peu granuleux, comme vous avez, par exemple, sur les Sega Saturn, des choses comme ça. Bon, pour le premier cas de figure, un plastique un peu lisse et très brillant, on va utiliser aujourd'hui un truc qui s'appelle l'éponge magique de Monsieur Propre. Mais on va d'abord parler de ce que c'est exactement ce produit. Donc l'éponge magique de Monsieur Propre, c'est une sorte de papier de verre en mousse, si je peux m'exprimer ainsi. Bon voilà, c'est une sorte de petite éponge. Faites attention, c'est un abrasif. Donc ce que je veux dire par un abrasif, c'est que vous pouvez quand même faire des choses si vous ne savez pas comment utiliser du papier de verre. Je dis ça parce que beaucoup de gens pensent savoir, mais en fait... Voilà, je réglais le focus, excusez-moi. Mais en fait, c'est des fois pas si évident que ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez directement l'éponge dessus. Attention, ne faites pas une petite surface comme ça. Essayez de faire des grands gestes pour dire... Voilà, et je pense que la griffe... Ah, elle y est encore. Eh ben, je vais prendre le temps de traiter ça tranquille, hors caméra, et puis on revient pour l'étape... Hop ! Et ben voilà ! Donc... On va passer à l'étape 2, mais avant l'étape 2, si toutefois vous avez des griffes un peu plus profondes et que même avec un peu d'huile de coude, ça ne part pas avec l'éponge magique, il existe quelque chose dont j'ai beaucoup parlé. Je vais prendre le temps d'ailleurs, on va en profiter pour vous montrer ce que c'est, qui s'appelle le micromèche. Donc c'est du papier de verre pour carrossier. Donc moi les miens, c'est en fait des espèces de petits... trucs de ce genre. Généralement, ils sont pas doublés avec de la mousse. Vous pouvez trouver ça à un prix assez modique sur eBay. J'en avais parlé aussi, hein, le fameux papier 3M grain 400 qui est, voilà, qu'on dirait qui est un peu en mousse. Ça, j'en ai plus beaucoup, hein. C'est le seul morceau qui est à peu près présentable qui me reste. Je m'en sers très rarement pour du plastique parce que le plastique, ça demande à être traité après. On va voir maintenant comment on peut rendre son aspect brillant, donc comme d'habitude. Hein. Bon, je ressors le bon vieux rénovateur plastique. Généralement, ce qui va mieux. Après, pour certains types de plastique, vous pouvez utiliser du polish de carrosserie, mais c'est pareil, là, il faut savoir comment s'en servir. On verra ça dans un cas de figure un peu spécifique, mais le polish de carrosserie, toujours sur un plastique brillant et pas granuleux. Sinon, ça fait dégueulasse. Alors, on va un peu de produit. Parce qu'en fait, l'éponge magique de Monsieur Propre, elle retire le côté brillant du plastique. Et c'est justement... le rénovateur plastique qui va... Voilà, donner un peu d'huile de coude. C'est quand même beaucoup mieux, voilà, redonner cet aspect brillant. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto très 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 simple vous a plu. Et ben on tourne à la suite de l'émission, et puis ben, à très bientôt pour un nouveau tuto. Hop là, de retour, attendez que j'édite, voilà.
le nom du jeu parce qu'on ne me fait pas Mario Maker, effectivement. Je ne fais que du rétro parce que malheureusement, je n'ai pas le temps d'assurer d'autres streams sur Gaming Live, sinon ce serait avec plaisir. J'aimerais d'ailleurs faire d'autres choses, mais le rétro étant un peu ma spécialité. Alors voilà, il faut basculer là-dessus, on est bien. Et allumer la PS1. Et normalement, on est bon. L'huile de coude, c'est pas en vente partout, hein. J'avoue, des fois, quand vous en avez une réserve, le prêtez, ne prêtez jamais ce bidon, hein, parce que généralement, on vous le rendra pas. Hein. La petite pelle qui dit, il y a une nana à la télé, elle a expliqué qu'un jour, elle était allée à la pharmacie pour demander de l'huile de coude. C'est un peu comme quand Ganesh, il appelait les Micromania pour demander s'ils avaient le jeu du FN, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu le même principe. Allez, du coup, bon, on va arrêter de dire des conneries. On va jouer à Command and Conquer, alerte rouge. Arrêtez de jouer avec ça. J'essaye juste. Et du coup, alerte rouge, même d'ailleurs le premier Command and Conquer étant un jeu que j'avais découvert sur un CD de démo, ça m'a fasciné parce que peut-être les 10-15 premières parties, je ne pigeais rien. Mais sans déconner, je comprenais rien ce qu'il fallait faire. Puis je me suis mis à jouer au jeu. T'avais même à l'époque, comment ça s'appelait? Ouais, voilà, le câble Link qui en fait de la PlayStation, je crois qu'il avait un nom particulier, qui te permettait de linker deux consoles si tu mettais, t'avais deux télés. Et du coup, avec un cousin, ce qu'on faisait, c'était, bah voilà, on se faisait des versus à l'infini sur le jeu, des parties de 2-3 heures, et c'était très bien. On va passer par contre la cinématique avec les acteurs bidons. Comment ça se fait que j'ai plein de télé derrière moi? Derrière moi, il n'y a pas qu'une télé, il y a un Minitel, un écran d'Amstrad et une vieille télé d'années 70. Voilà. Et encore, j'aurais pu ramener le Vectrex, mais j'ai peur de le mettre là parce que j'ai mon Velux qui est juste au-dessus, j'ai la fenêtre, et du coup, j'avais peur qu'elle prenne cher si jamais je laisse la fenêtre ouverte. Alors, du coup, de mémoire, ici, pour gagner du temps, faut vite sélectionner. Voilà, non. C'est pas grave. Voilà, j'avais oublié que c'était R1. Voilà, du coup, là, on est bien. Je crois que juste si on tire là, on est bien. Les cathodiques, c'est très bien, mais si t'as par exemple sur un Raspberry les scanlines sur la distro Recalbox, et ben pour le coup c'est très bien. Voilà. Hop, désolé, mon téléphone a fait un bruit bizarre. Il me semble que c'est une notification Twitter. Dis ton pseudo pour faire plaisir. En fait, c'est en rapport avec mon nom de famille. Il y a un gars qui se foutait de ma gueule à l'époque. Et j'osais pas répondre parce que, bon, je suis pas quelqu'un qui cherche les embrouilles. J'ai horreur de ça, je trouve que ça sert à rien. Donc il m'appelait Chou, 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 mais à l'infini. Et en fait, la chose marrante, c'est qu'une fois, je me suis vraiment énervé, je me suis retourné. Je lui ai collé un taquet, il est tombé de sa chaise, en plein cours. Et en fait, ça fait rire mes potes. Donc il me. En fait, ça fait rire mes potes parce que quand je lui ai mis un taquet à cet individu, je lui ai dit pour toi, petit con, ça sera monsieur. Donc du coup, ça a fait marrer mes potes. Donc c'est donc tombé dans les monsieur choux. Donc voilà, c'est bon, c'est une histoire débile. Alors juste là faut faire gaffe, voilà, à ce machin là, parce que lui il peut être très chiant. Voilà, on revient là. Et voilà, nickel. Klonoa, il vaut effectivement du pognon. C'est jouable alerte rouge sans souris? Bah ouais. À la manette ça se joue. Après je vais pas raconter des conneries à la souris, c'est tellement mieux. Voilà. Là, on va récupérer toute la petite troupe. Je crois que j'avais fait. On va faire triangle, voilà, pour dire d'être sûr. D'accord.
Ouais, on peut dire que j'ai mis un gars dans les choux, mais bon, c'est le genre de truc. C'était un peu ridicule parce que le gars, j'avais. Il nous faisait vraiment pas chier, c'était juste qu'il profitait que. Qu'on était en cours et j'osais pas ouvrir ma gueule. Bon, enfin voilà, quoi. C'est une histoire de gamin. Hein. C'est vraiment pour le coup une histoire à la con. Alors, de mémoire, ici, il faut. Voilà, prendre ça et détruire cette maison pour terminer la mission rapidement. Comme on a un temps limité, malheureusement. Ah, j'ai pas joué de la gratte, mon ampli, il est dans l'autre pièce. Puis bon, y a 173 personnes, certes, mais j'ai pas envie que qu'il reste plus que deux personnes, à savoir ceux qui ont coupé le son ou les sourds, quoi. Ou ceux qui sont partis manger. Enfin, du coup, les jeux de mots sur mon pseudo, ça me fait absolument rien. Au contraire, ça me fait même plutôt marrer. Par contre, il y a un truc. Si vous avez jamais joué à Alerte Rouge, même au premier Command & Conquer, c'est le jeu des acteurs dans ces cinématiques. Ils sont particulièrement délicieux. Pourquoi ? Parce qu'ils font tout ça sur fond vert. Et des fois, le fond vert, et tu vois vraiment que c'est un trucage dégueulasse. Donc c'est assez marrant, en fait. Ah bah salut à tous ceux qui me rejoignent. Ah là là. Ce bon vieux Alerte Rouge. Donc c'est un jeu qui vaut maintenant, j'ai regardé, entre 10 et 15 balles. Ça se trouve sur eBay. Ah oui, c'est vrai. J'ai lancé le jeu un peu à la va-vite. Bon, on le fera en dernière partie, le Barcode Battler. Faites-y moi penser. On n'en a pas parlé. Clonoa beach volé 20€ sur le net, vous êtes sérieux? Alors, en même temps, il y a tellement de choses sur lesquelles je suis pas au taquet sur les prix, hein, c'est pour dire. Ouais, reviens ici, toi. Voilà, faut juste tirer sur ce baril pour être safe. Mais du coup, j'ai pas envie de m'emmerder, voilà. Je vais bouger déjà des troupes ici, voilà, lui il est bien. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est que je récupère, voilà, quelques oiseaux pour les mettre ici. Alors, faut juste maintenant que je me souvienne, voilà. Je crois que j'avais pas de caserne. C'est bien ça. Va falloir construire des tourelles, hein, parce que ça devient... La schnapsitude. Du coup, comme c'est un jeu que je connais pas trop mal, et que je sais que c'est un jeu où je peux relativement lire correctement le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas des questions sur ma vie privée, parce que de toute façon, vous savez que j'y répondrai pas. Ah zut, non, j'allais faire n'importe quoi. Faut d'abord, voilà, faire une centrale électrique. L'Ape Escape, je sais pas niveau prix. J'en ai un, il me semble. Construction terminée. Non mais c'est des jeux que tu vois pas tous les jours, malheureusement. Bon, pour des jeux qui sont pas communs, mis à part être vraiment taqué sur les prix, c'est compliqué des fois de donner comme ça, brut pour point, durant un live, une estimation. D'ailleurs, pour ça que je dis à tous ceux qui voudraient une estimation sur un jeu ou une machine bien particulière, m'envoyer un mail, mais attention, hein, ne demandez pas combien ça vaut, une Nintendo 64 ou une PS1. Ça, je pense que vous pouvez tous le voir par nous-mêmes. Enfin, voilà. J'ai joué au 3, je l'ai sur PC. Le Alerte Rouge, ils ont sorti il y a quelques années, hein, il est sorti aussi sur PS3 d'Alerte Rouge. Je l'ai fait, c'était sympa d'ailleurs, ils ont même fait une sorte d'extension, un add-on particulier. Il y avait dedans, en fait, des... Enfin, ils appellent ça des célébrités. Il y avait un catcheur, il y avait Ric Flair dedans. Je vous assure, c'est pas des conneries. J'ai lancé le jeu, et j'ai vu Ric Flair, j'ai vu le Nature Boy, et ça m'a trop fait marrer. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, Ric Flair? Ça veut juste rien dire, quoi. Et si, si, il est là, et il est bien. Dommage que la série Ape Escape ait été abandonnée en Europe. Bah, t'as tellement de trucs qui sont pas sortis en Europe, hein. On parlera du disque système la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite, si on parlera du disque système, malheureusement, on devra faire de l'émulation. C'est parce que j'ai enfin récupéré le vrai Mario Bros 2, celui qu'on appelle The Lost Level, en fait, chez nous. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bloody Roar, oui, je l'ai pas eu. J'y jouais beaucoup, j'étais forcé d'y jouer quand j'y allais chez un cousin, parce que lui, il surkiffait le jeu, quoi. Et c'est pour le coup pas des conneries, hein. Il surkiffait le jeu, alors que...
crois qu'il y avait tellement mieux sur PS1 comme jeu de baston dans ce genre-là. C'était pas un mauvais jeu, je dois l'avouer. Beyond m'a devancé pour la souris. Mon prénom, c'est Philibert. Je veux bien répondre à des questions, mais sur la vie privée, pas tellement. Bon, allez, je m'appelle Julien, ça, tout le monde le sait. Je le dis avant que ce soit Beyond This Life ou la petite pelle vienne à donner ma véritable identité. Donc, du coup, au lieu de raconter des conneries, est-ce qu'on a des sous? On n'a pas assez de pognon. À quand un live du collectionneur spécial comme tu avais fait pour les Megaman? Bon, en fait, comme dirait mon ami Rémi, j'y travaille. Enfin, lui, quand il disait ça, c'était pour dire en fait qu'il le faisait pas. Non, sans blague, j'essaie de trouver un thème fédérateur pour faire un live là-dessus. Bon, les Megaman, ça s'y prêtait très bien parce que tu avais du 1 à Megaman 1 au 5 qui est sorti en Europe. Le 6 est en sortie Japon et États-Unis. Ça s'y prêtait très bien. Tu mettais une machine, tu avais en fait tous les jeux que tu voulais dessus. T'étais pas obligé de faire un setup en milieu de stream. Donc, c'est pour ça que ça s'y prêtait très bien. J'essaie de voir en fait ce que je pourrais faire en fait sur ce concept. Je vais pas faire un spécial Mario, on est d'accord. Parce que ça serait chiant, c'est des jeux qu'on a tous forcément fait. Donc voilà quoi. Pourquoi ce pseudo Xeno Cross One, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Non. Je joue en fait à quasiment. Je dis vraiment quasiment. Tout ce qui est rétro, il y a des choses avec lesquelles j'ai du mal. C'est des choses que j'ai pas eu à l'époque. Donc forcément, pour m'y attacher, après, c'est compliqué. Je parle de tout ce qui est Amiga, Atari ST. Je n'ai rien contre. Ah, voilà. Ah, tu m'offres une. Non, en fait, le Beyond de la souris PS1, je l'ai. Sauf que, en fait, je sais où elle est. Elle est pas chez moi. J'ai laissé chez mes parents dans sa boîte. Il y a peu de choses lors de mon déménagement que j'ai pas repris. Et en fait, elle était en haut d'une étagère et j'avais le Toshiden 4. En fait, j'ai failli le faire. Est-ce qu'il est encore sur son bureau? Non, je l'ai rangé. J'ai failli le faire hier. Le problème, c'est que je me suis dit, Chou, à chaque fois que tu fais de la PS1, tu bourres un jeu de baston. Non, c'est bon. Je te rends de me dire si ça se trouve, en fait, j'ai mis un jeu de baston et puis je raconte de la merde. Donc pour le coup, en fait, je n'ai pas. J'ai pas foutu de jeu de baston, c'est juste ça. Sinon, ça m'aura ambiancé, hein. De toute façon, les jeux de baston, vous savez très bien ce que j'en pense. Du coup, maintenant qu'on a, voilà, deux collecteurs, ça ira deux fois plus vite. Ça, c'est une belle astuce aussi, hein. Vous faites deux raffineries de minerai, vous en revendez une, vous avez deux collecteurs, en fait, pour une raffinerie. Et ça va deux fois plus vite et vous récupérez de la thune. J'attends ton émission DC versus Marvel, bah, comme je disais, en fait, il y a quelques minutes. Tout le problème étant de. Comment on va dire ça? Le thème fédérateur, là pour le coup, on l'a, c'est pas un problème. Le tout étant de trouver une machine sur laquelle il y a des bons et des mauvais jeux d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être un peu ça qui est tendu. Voilà donc. 5 mitrailleurs et 5 comme ça, voilà. Les Toshinden, j'ai que le 1 et le 3, il me semble. Le 4, je l'ai pas. Faudrait que je vérifie. Soul Blade, on l'avait déjà fait en décembre, hein, 2014, il y a quasiment un an. Hein. On l'avait fait, je crois que c'était le second live. En fait, Chou écrit comme ça, ça vient du japonais, ça vient aussi du perso dans Kutonoken. Écrit comme ça, dans l'idée, ça n'a aucun rapport avec là d'où vient le pseudo, mais bon. Voilà, on va essayer de faire déjà une petite équipe. De toute façon, j'ai pas à vous mentir, j'ai déjà mes lives prévus pour encore au moins un mois et demi. En fait, à chaque fois que j'ai des idées d'un truc, je sais pas, une review d'un produit, un truc qu'on pourrait parler, qui pourrait être sympa, je note sur un papier. Ça me permet des fois, en fait, si je vois qu'il y a une émission avec des jeux qui ou sont pas super intéressants, ou dont le contenu serait peut-être pauvre, ben j'essaie un peu de concentrer un peu tout ça pour faire quelque chose.
je dirais pas d'acceptable, mais d'un peu plus sympa. Donc c'est pour ça, la semaine prochaine, on parlera du disque système. Il y aura un tuto Discord noir. Je le recherche aussi, Boss Dick. Je le recherche. Et tu sais à quel point je suis fan de la saga Discworld. Que ce soit en jeu vidéo ou en roman. Medieval, je l'ai pas encore fait de mémoire. Tobal, j'espère le trouver, mais le problème c'est les prix. Quand tu trouves un Tobal... Eh ben c'est assez cher et c'est tout le problème. Je vais offrir mon Superman 64 à Monsieur Chou. Bah écoute, c'est une bonne idée hein, Xenocross One, parce que je l'ai pas. Non non, garde ton jeu, garde ton jeu. Déjà, Bifrost avait essayé de me refiler sa collection de jeux foireux sur PlayStation, alors qu'apparemment il a un Super Metroid complet avec le livre de Solus. Hein. Donc au bout d'un moment, faut se respecter. Mais c'est vrai, sur 64, j'ai pas énormément de jeux, parce que c'est pas une console qui m'ambiance, en fait, à collectionner. C'est pas une console que j'aime pas, hein, c'est une console que j'ai eue à l'époque. Mais, il y a peu de jeux qui m'ambiancent. Et puis en plus, la 64, on en a déjà parlé, le gros problème étant les manettes. Et si vous trouvez pas... Bah lui, il va se faire ouvrir. Non, non, non. Allez tous là et faisez pas chier, voilà. Occupez-vous de ça. Ah, Super 64, je l'ai pas. C'est pas qui m'intéresse. C'est qu'en fait, il y a un truc que je voulais faire depuis un petit moment. C'était un spécial jeu foireux sur 64. Et pour le coup, en fait, ça me faisait un peu... Ça m'embêtait un peu de devoir acheter un Superman 64. Juste pour l'aspect lol du jeu, quoi. Juste pour le fait que c'est un jeu... vraiment pas top. On va dire ça comme ça, pour être gentil. Ce qui est bien, mais pas top. Quoi, pour citer la cité de la peur. Je crois qu'on peut passer là. Non. Donc en fait, c'est ici. Voilà. Et là, en fait, il y a le machin. Ah ! Voilà, c'est passé. Par contre, il y a un truc que je comprends pas dans le jeu, c'est qu'avec soit que les soviétiques ou les alliés, les chiens, c'est des bergers allemands. Donc, bon, quelque part, ça voudrait dire que... Bon, enfin, bref. Ouais, c'est une parenthèse débile. D'ailleurs, il me semble que dans la suite, Alerte Rouge 2... Non, je confonds avec celui qui est sorti sur console next-gen et sur PC il y a quelques années. Qui lui, tu pouvais entraîner des ours et c'était très sympa. Mario Party, ouais. J'en ai eu un en fait qui m'a été offert par un pote sur 64. Sinon, ben, je l'avais pas avant. On va essayer de détruire voilà, le collecteur parce que lui, va écraser tout le monde, je m'en doutais. Voilà, nickel. Hop, il y a du renfort. J'espère juste j'aurai rien. C'est des bergers américains, ouais, c'est un peu ça. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un Command & Conquer hein, sur PlayStation, je vous recommande follement ce Alerte Rouge, qui est déjà plus de contenu que le 1. Oula. Et qui est aussi plus facile à trouver, je pense. Colony Wars, G-Police, pas encore. En fait, il y a tellement de jeux que j'ai pas encore fait hein, sur PlayStation, même sur NES. Hein, ça m'arrive des fois de voir un peu dans ma collection, de me dire ça, j'en ai pas encore parlé. Pourquoi ? D'ailleurs, pour ça que la semaine prochaine, on fera enfin le Metroid sur NES. Parce que pour l'instant, on avait fait Super Metroid et Metroid Fusion sur GBA. On n'avait pas parlé des autres. Alors,
Il reste encore des Ziggs à tuer sur le terrain. À mon avis, ils sont là en haut. Généralement, ils se planquent là et ils passent ici. Sous le river, on en parlera. De toute façon, Legacy of Kain, c'est pareil. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas parlé, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que j'essaie toujours de faire des programmes qui soient assez diversifiés. Parce que si je m'écoute, quasiment chaque semaine, on ferait de la NES. Il me semble qu'il faut passer là. Il y a tellement de jeux de toute façon hein, dont on va parler cette saison. Il y a aussi tellement de consoles aussi dont on n'a pas parlé. Hein. Une bonne partie des micro-ordinateurs dont on n'a pas parlé encore. Ok, c'est super. Croc, ouais, il est sympa. Il est assez dur à trouver d'ailleurs depuis quelques temps. C'est pas le jeu le plus commun de l'univers. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que je pensais que ça s'était assez bien vendu. Donc il doit avoir en fait un véhicule qui est planqué quelque... Vous voyez, c'est ça être un sac. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui est devant vous. Ben non. Vous dites finalement, non, je vais le laisser là, il est bien. Ah là 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 là. Soul River était très sympa. Personnellement, j'ai préféré le Blood Omen, Legacy of Kain. Dans la même saga, d'ailleurs, je ne me souviens plus s'il y a arrivé. Quand je suis arrivé, c'était la fin d'une vidéo de Family Disque System. J'ai pas compris la transition avec la PS1. En fait, c'était juste pour dire que la semaine prochaine, on parlera en fait du Disque System. C'était juste ça. Donc, il n'y avait pas de transition. C'est juste que le Disque System, la semaine prochaine, on fera des jeux qui sont sortis au Japon quasiment exclusivement sur Disque System. Et malheureusement, il n'y aura que du jeu Nintendo, mais ça permettra enfin de parler du Disque System, chose qu'on n'avait pas fait. Qu'est-ce que j'ai comme console? J'ai tout sauf la Xbox One. Voilà. Il me manque peut-être le Twin Famicom et le module CD pour la PC Engine. Voilà. C'est à peu près tout ce qui me manque. Et encore, c'est pas des choses que je recherche activement. Il me manque peut-être aussi... Bon, il me manque encore un Amiga. Mais bon, ça peut se trouver si j'ai envie de dépenser 40 balles. J'ai pas envie, c'est juste que ça. Il y a ça et un... Non, là par contre... Ah, voilà. Quand tu détruis le dernier bâtiment, les Ziggs qui étaient planqués viennent vers toi. D'accord. Voilà, on va faire 5 Zigoto. Bah, le Super CD-ROM, jusqu'il y a peu de temps, ça m'a intéressé d'en trouver un. Pourquoi maintenant je suis plus intéressé? Bah en fait, sur Raspberry, c'est très bien émulé, tu peux jouer sur ta télé, peinard. Donc ça m'embête déjà un peu... La Xbox One, est-ce que ça existe? Ouais, c'est... Moi je suis pas plus l'un que l'autre, hein. Pour moi c'est le même hardware, c'est juste à des choses qui sortent pas sur l'un et ça sort sur l'autre. C'est une affaire de goût de toute façon tout ça, hein. C'est une affaire de goût. Les impérialistes sont à notre merci. Nous avons 14... Un truc bizarre, j'ai le jeu FIFA 99, il ne fonctionne pas sur PS1, il fonctionne sur PS3. Ah, c'est peut-être parce que c'est FIFA. Non, je troll un peu, mais... Ça peut arriver. Moi, en fait, j'ai une histoire aussi intéressante. J'ai mon Megaman 8. Attendez, j'étire mon bras. C'est avec mon épaule. Ah la con, putain. J'ai encore mal, en fait. Voilà, j'ai un Megaman 8 sur PS1. Ah, punaise. Le jeu, il marchait très bien il y a 6 mois. Il marchait très bien il y a un an. Depuis 3 mois, le jeu, il passe plus. Pourtant, le jeu, je l'ai pas laissé... Ah non, non, c'est cette mission, non, non, pitié. Ah non, c'est la mission qu'on va recommencer 10 fois. Ah non, ah non, c'est la mission que j'aime pas. Qu'à chaque fois, je la recommence 10 fois. Ma console préférée... C'est assez compliqué, moi je suis pas sectaire là-dessus, au contraire, je pense que... Des bonnes choses partout. Faut d'abord tuer lui. Dedans, en fait, il y a des potes à nous.
de mémoire dans cette, bicoque. Le Virtual Boy, non, j'en recherche un pour mettre dans une vitrine. Ça paraît con à dire. Mais j'en recherche un, mais pas pour y jouer. C'est pour ça que, à la limite, si j'en trouve un non fonctionnel pour projet... Donc oui, en fait, le Mega Man 8, il a aucune rayure. Il a rien. Si tu le vois, le jeu, il est presque... Tu peux dire, il est neuf. Sauf qu'il ne fonctionne dans aucune... PS1, aucune PS2. Donc je ne comprends pas, en fait, ce qui tombe pas rond avec ce truc. Et c'est vraiment pas des conneries, ce truc. J'arrive pas à comprendre. Alors, du coup... allons voir quand même ce qu'il y a là-bas, parce qu'on ne pourra pas passer sinon. Le moment de changer de jeu, du coup, bah en fait, comme il reste un bon 5 minutes... Remarque, on peut commencer d'où maintenant, hein. Ouais, on va faire ça. Parce que sinon, la mission, déjà moi, quand ça m'ambiance pas, j'ai du mal à ambiancer les autres. Alors, on va changer, on va mettre Doom. Comme ça me donnera l'occasion de parler aussi d'un de mes collègues, Canon, qui ce week-end fait un marathon Doom sur la TV3, qui fera entre autres du mode Brutal Doom. Et si je relis mes notes, samedi de 12h à 19h, donc allez-y. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pense qu'il faut me donner ce Mega Man 8, c'est la seule solution. Non. En fait, je pense qu'en fait, le jeu, il a juste pas envie de marcher. Mais quelque part, bon. Je le garde pour le délire. Je me dis qu'un de ces quatre, j'arriverai à trouver la solution. Mais la chose que j'ai pas essayé, c'est de faire la vieille technique, de mettre la PS1 à l'envers. Bon, j'essaierai, hein. En fait, ce jeu, j'avais pas en fait prévu de le faire. Mais quand hier, j'ai refait le programme de l'émission, je me suis dit, il y a deux genres de jeux qu'on n'a pas abordé du tout. C'est un, les FPS, deux, les RTS, les jeux de stratégie en temps réel. Donc, et je me suis dit, RTS, Command & Conquer, c'est obligé. Et puis, c'est Motherfucking Doom, quoi, quand même. Il y a le mode Ultimate Doom. On va rester comme ça, on va rester en normal, voilà. Faut que je me souvienne maintenant des touches. Ah, justement, GTA 2, il était là. C'est pas des conneries, hein, le jeu, il est là. Ce qu'il y a, c'est quand j'ai commencé à y jouer, au bout de 5 minutes, je me suis un peu emmerdé. Déjà, les contrôles étaient un peu fouillons. Donc c'est tout le problème en fait de streamer des jeux qui t'ambiance plus au bout de 5 minutes. Tu te dis si au bout de 5 minutes déjà je m'ennuie, ça va être compliqué. De quoi ? Envoie-moi ton lien pour le Virtual Boy via Twitter s'il te plaît, parce qu'apparemment il n'est pas passé entièrement dans le chat. Après, j'ai pas spécialement décidé d'en acheter un, c'est juste que je prépare un gros projet qui n'a rien à voir pour le coup avec le stream, qui est un projet professionnel, et pour le coup, je me dis, un Virtual Boy, ce serait, je dirais pas intéressant, mais ça pourrait être sympa d'en avoir un, mais il est pas obligé. Hein. Wouah ! Ah oui, c'est vrai, ça fait du niveau, lui. Voilà. Ah, Doom, c'est quand même le jeu des bonnes ambiances. C'est un jeu que j'avais découvert sur PC à une époque où peu de gens avaient de PC. Sauf ceux qui avaient énormément d'argent. Quand le jeu est sorti sur PlayStation, je crois que c'est le deuxième ou troisième jeu que j'ai acheté avec mes centimes. Je crois que le premier jeu, ça devait être Rayman, comme quoi ça n'a rien à voir. J'avais acheté Rayman, Doom... Et oui, un jeu de basket fini à la piste, NBA in the zone, je m'étais fait avoir, je me souviens. Ça, je crois que... Je suis pas prêt d'oublier, ça. Ah, voilà. Bon petit fusil à pompe des familles. Par contre, c'est le jeu, en fait, qui te dit si tu es un peu sensible au motion sickness... C'est compliqué, hein. Surtout quand il joue maintenant.
Ouais, j'ai quand même besoin d'un petit peu de vie. Ah oui, c'est vrai, il faut il faut la clé des champs. Eh ben écoutez, ce qu'on va faire pour l'histoire de pas trop jouer à Doom, parce qu'on n'a encore pas parlé du Barcode Battler. Et sinon, je vais encore oublier, comme il y a 15 jours, j'avais oublié de parler de cet accessoire de merde qui s'appelle le... je sais plus, là, le truc bizarre de la NES. Enfin, voilà. Eh ben, écoutez, on va mettre la publicité out, et puis, ben, on revient dans 5 petites minutes.
Allez, de retour dans la dernière partie du guide du collectionneur, et j'ai l'impression que mon siège, il s'est abaissé. Mais je suis en position 1, qu'est-ce que tu fais le siège? Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'en fait, je voyais au fur et à mesure de l'émission que je commençais à passer un peu sous la table. Alors, on va parler de ce machin, le barcode battleur, on va rejouer à Doom après. Mais on va se marrer. Alors, qui se souvient de ce truc? Le barcode battleur. Donc, c'était un truc à l'époque qu'on nous vendait. Il y avait une pub, hein, moi je m'en souviens, elle était assez mythique. On va voir déjà à quoi ça ressemble. Alors, on ouvre la boîte, il y a la notice, bon la notice, on s'en moque un petit peu. Vous avez, encore une autre notice, vous aviez en fait des cartes. Voilà, je vais en montrer quelques-unes. Voilà, avec des artworks qui souvent étaient assez sympas, et d'ailleurs vous aviez un code barre. En fait, ce truc, c'est une sorte de système de RPG, en fait, où... Tu affrontes telle carte contre... Waouh, j'avais cru lire quelque chose, mais en fait, non. Telle carte contre telle carte, donc tu l'as passé, en fait. J'ai pas mis de pile dedans, hein. Mais en fait, pour vous montrer, tu l'as passé, en fait, dans cette trappe, dans cette fente, clac. Ça te scannait ta première carte, tu en scannais une autre, et tu pouvais faire des combats à la con. Genre, tu scannais le... Enfin, tu récupérais le code barre, en fait, du pack d'eau d'Evian, et tu pouvais faire Evian contre Volvic. Tu pouvais faire des trucs totalement craqués. Moi, ça, je l'ai pas eu à l'époque. J'ai un pote qui l'avait. Et bon, anecdote à la con, on s'amusait en fait à aller retirer des codes barres dans des supermarchés pour faire des affrontements de produits débiles. Et bah, encore maintenant, l'intérêt est encore plus limité. Mais quand vous avez 10-12 ans, vous avez ce machin qui sort, bon, vous en trouvez un au marché aux puces. Vous dites qu'il y a un potentiel de débilité quand même. Assez énorme, surtout que vous aviez des cartes vierges. Donc vous pouvez dessiner des conneries dessus. Derrière, tu collais le code barre, tu pouvais noter en fait les points de vie, les points d'attaque, les points de défense, le nom de ton personnage. C'était débile, c'était systématiquement débile, mais toujours inattendu. Et ça faisait toujours plaisir. Voilà, donc maintenant, on va jouer à Doom. Allez, on revient donc sur la scène principale. Oui, c'est bon, j'ai pas fait de conneries. Donc, on va continuer avant de reprendre. Donc, je rappelle le Marathon Doom ce week-end sur la TV3 de samedi de 12 à 19h, animé par Canon. Il fera, d'après ce que j'ai compris, du mode Brutal Doom. Voilà, voilà. Quelle année à peu près? Attendez, je vais vous dire. Je me souviens plus exactement le barcode battleur quand c'est sorti. En tout cas, chez nous. C'est certainement marqué sur la boîte. Hein. C'est vrai que c'est une question intéressante. Mais c'est pas marqué. C'est chelou, ça. Et je pense j'essaierai de vous faire une vidéo YouTube. Je crois que j'en avais fait. Non, j'avais déjà fait une vidéo YouTube il y a un moment pour ça. 91. Il y a un copyright de 91. Donc, à mon avis, c'est sorti chez nous dans ces années-là. Hein. Ok, je vérifie que j'avais pas coupé le son. Alors, au milieu, j'y suis pas allé. Je crois que j'y suis allé là, mais je suis pas sûr. Ah, mais pour le coup, quand t'as un gamin, t'as 10 ans, et que tu vois ce truc, et que t'aimes bien faire le con, tu te dis, il y a un potentiel. Je récupère les codes barres sur n'importe quoi, et puis voilà, et puis on s'amuse. Comment on fait déjà pour changer d'arme? Non? Ok, c'est pas grave. Voilà. C'est quoi cette version Doom? C'est la version Doom sur PlayStation 1. Voilà, donc la carte qui nous manquait tout à l'heure pour ouvrir la porte, elle est ici. Voilà. En fait, comme j'avais prévu, en fait, Doom aujourd'hui, et que j'ai vu que, apparemment, ce week-end, il y avait le Marathon Doom, j'ai dit j'allais en profiter. Pour en faire la réclame, après tout. C'est la moindre des choses. Ah, supervision! Ah, la supervision. Gros dossier, la supervision. On n'en a pas encore parlé, mais simplement parce que j'en ai pas. Là, la GX4000. Ah oui, 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 la GX4000. C'est... Garantie, la GX4000. C'est la seule console... En, je sais pas, en 2-3 ans, je fais du bricolage, des réparations de consoles. C'est la seule où j'ai eu un jour à devoir changer les ports manettes. C'est pas des conneries, hein. Ou alors, par contre, je suis en train de me faire
ouvrir. C'est bon. Enfin, c'est bon, non, mais... c'est passé. Ah, l'Amiga CD32, encore, tu pouvais t'amuser. T'avais des choses qui... Bon, certes, c'était pas glorieux, tu pouvais encore t'amuser. Tandis, amuse-toi avec une GX4000. T'as vu le jeu qui était vendu avec? C'était Burning Rubber. Tu prends même... comment dire? Outrun sur Master System, il était mieux. Il était mieux que le jeu qui était vendu avec cette machine. C'était fou. Est-ce que je peux montrer? J'ai vu mes amiibo. C'est pas que j'ai pas envie. C'est juste que... J'ai un pacte avec Ken Bogard, tu sais, je n'ai pas le droit de parler des amiibo. Non, je plaisante, mais... J'ai rien de particulièrement excitant comme amiibo, quoi. C'est le Mario Silver, à la limite. Peut-être le plus rare. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté l'amiibo Rob, parce que bon, étant donné que j'ai le Rob en version Famicom. Mais en fait, en le ramenant à la maison, je me suis dit, en fait, t'es con, t'aurais mieux fait de commander le Rob en édition japonaise pour qu'il y ait les mêmes couleurs. La CDI, par exemple. La CDI. Ah, quand l'émission sur le Mega CD, on l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait, hein, Xenocross One. Je sais plus quand, mais on l'a déjà fait. Hop, voilà, un petit ban, ça faisait longtemps. Le problème avec l'Amiga CD32, c'est principalement des portages, ouais, c'est l'un des problèmes. Le problème étant le coût de la machine et qu'elle était surtout pas vendue au rayon jeux vidéo. Je vous assure, hein, moi j'ai des souvenirs à l'époque où en fait c'était vendu dans les Conforama et des trucs comme ça au rayon hi-fi. Ça avec aussi, il y avait un autre produit aussi chez Commodore qui était assez obscur. Je me souviens plus le nom d'ailleurs. Bah, la CDI, c'est une console particulière. Moi, elle me fait marrer. Elle me fait marrer parce que tu as des jeux qui sont instreamables. Mais c'est vrai, hein. C'est, pour le coup, c'est vrai ce que je dis. Tu prends un jeu comme Voyeur. Je vous garantis, si je stream le jeu, la chaîne se fait bannir sur Twitch. Qui est un mélange de, je sais pas, de jeux avec des scènes... je dirais pas érotiques, c'est juste malsain, c'est juste dégueulasse. Bon, on va essayer lui de l'esquiver, voilà. Hop. J'en ai beaucoup parlé d'ailleurs de ce jeu, hein, Voyeur. La première fois où j'y ai joué, après la Mara... En fait, je l'ai même pas acheté, on me l'a filé. Il n'y avait pas une console basée sur le système Commodore 64? J'ai pas souvenir de ça. J'avais vu qu'il n'y avait rien. Non, il y avait une console en fait chez Commodore. C'est pas vraiment une console. C'est une sorte de version luxe de l'Amiga avec un lecteur CD. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un truc assez obscur. Et je sais que ça, c'est recherché par les amateurs de la marque Commodore. Et, moi, personnellement, c'est le genre de truc qui me laisse un peu indifférent. Et non, mais c'est tout mon problème, c'est voilà. Voilà, c'est comme ça que je joue à Doom, moi. J'ai essayé de jouer propre depuis tout à l'heure, mais... Voilà, on va arrêter de jouer propre. On va se respecter. Oula, il y a un petit chemin. Déjà, une console qui a le nom d'une bibliothèque de collège, c'est mal barré. L'émission CDI... Moi, je voudrais bien le faire, hein. Je voudrais bien le faire, de toute façon. C'est sur PS1, il vaut combien? Doom, j'en ai pas parlé. Il vaut entre 10 et 15 balles. Complet en bon état, c'est une petite quinzaine d'euros. Pour un jeu qui va quand même te tenir quelques heures au point de vue de sa difficulté, c'est plutôt pas mal. Il faudrait que je vois, en fait, ce qui me retient de faire de la CDI, c'est que je veux le faire, en fait, sur la console originale. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Et l'autre problème étant que si la console, elle vient à planter en plein stream, je fais quoi? Parce que l'émulation CDI, elle est assez dégueulasse. Donc, il faudrait que je vois ça, de toute façon. Je vais vous montrer un peu le... Je dirais pas les coulisses. L'envers du décor. J'ai ici une enveloppe, comme disait Maître Connard. Voilà. En fait, dedans, tout ça, hein, tous ces papiers,
c'est dessus à chaque fois en fait une thème d'émission. Donc là, par exemple, Master System, CDI. Donc sur CDI, j'ai quoi? J'ai Hotel Mario, j'ai Voyeur, faut voir si ça passe. Burn Cycle, qui est un jeu dégueulasse aussi. Secret Mission, Lost Eden. Donc vous voyez, le truc, il est là. Hein. Ce qu'il faut après, c'est que je vois en fait si c'est streamable, si c'est pour faire un live. Et que au bout de 5 minutes, vous vous faites chier, et même moi, hein, mis à part troller et raconter des choses... Faut voir. Propose le jeu à MV pour ses soirées obscures. Mais en fait, quand je l'ai vu, je lui ai proposé deux fois. La première fois, il m'a dit, c'est quoi, je connais pas. La deuxième fois, il m'a dit, non, même pas en rêve. Et c'est vraiment pas des conneries. Il m'a vraiment... Il a fui. Et je lui ai proposé le jeu, il est parti. Je suis un peu d'accord avec toi, Darklide. C'est vrai que Doom, c'est déjà plus sympa à jouer de toute façon. Au clavier et à la souris, on est d'accord. Mais comme en fait, pour l'instant, on n'avait pas fait de FPS, et que ben, les FPS corrects, c'est à partir de la PlayStation qu'on a commencé à avoir ça sur console. Donc je trouvais que c'était intéressant. C'est pour ça que je l'ai proposé aujourd'hui. C'est plutôt pas une mauvaise idée parce que j'avoue, il m'ambiance pas mal hein, ce jeu. J'ai toujours aimé de façon ce jeu. Hein. Même si je suis pas un grand fan des jeux qui sont comme, pour le coup, je dirais pas ultra violents mais assez gore. À part quand c'est sur. Quand il y a un côté parodie, comme dans Mad World, sur Wii, bon là, pour le coup, tu te dis, y a rien de trop méchant étant donné que c'est. J'ai pas les Zelda sur CDI, effectivement. Ce qui valent cher et ils m'intéressent pas. Encore Hotel Mario, je l'ai parce que je l'ai trouvé sur une brocante à 10€ parce que le mec il voulait s'en débarrasser. Il a dit ça, j'en veux pas. Quelqu'un a déjà vu un jeu Neo Geo avec deux étiquettes superposées sur la cartouche? Oulala, ça semble pas très rigolo. Et que ça n'était cool, ouais, Mister Nacord, je suis d'accord. Effectivement, il était très sympa. La Neo Geo, c'est une console de salon, faut pas s'en cacher. Et c'est une console de salon, uniquement la version AES, bien sûr. Et les versions CD, les versions, parce qu'il existe en fait. Deux modèles, hein. Deux Neo, même trois, je crois. Il y a la CDZ, et il y en a encore une autre. Je crois qu'il y a deux versions de la CDZ, enfin bref. Wouah, c'est le bordel ici. Vite une porte. Ouais, d'accord. Vite une porte, non. D'accord. Bravo. Bravo. Bon, il reste 10 minutes. On va bien s'amuser. Ah oui, il y a le rugby qui commence. Ouais, effectivement. Des bisous, Xenocross One. Des bisous. Bah, la Neo Geo, moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait fantasmer. J'en ai eu une à une époque que j'ai revendue. La seule fois où j'ai regretté avoir revendu un jeu rétro, c'était Rescue Ranger 2 sur NES en boîte complet. J'étais en galère de thunes, j'ai souvent raconté cette histoire, hein, mais elle est un peu symptomatique. Je l'avais mis à un prix de fou sur eBay, parce qu'il n'y a personne qui le vendait à boîte en ce moment-là. Je me suis dit, bah Coco, si tu mets un prix de fou, personne ne va l'acheter, donc tu ne le vendras pas. C'est logique, c'est juste du... Et le jeu, il est parti en quelques heures. Je crois que j'ai posté l'annonce à 20h. Et à 1h au matin, mon téléphone, il bip. Et je vois quoi? Votre jeu a été vendu. Putain, j'étais dégoûté. Pour le coup, vraiment, hein, vraiment, j'ai passé une sale nuit. Je me suis dit, putain, vraiment, falloir que je vende le jeu. J'ai pas envie. Je voulais vraiment le garder. Et depuis, même en loose, je l'ai jamais retrouvé à un prix respectable. C'est le seul jeu, pour le coup, que j'ai vendu et que je regrette. Il y a ça aussi, et puis le NBA Jam Tournament Edition que j'avais sous blister sur Saturn. Putain, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je l'avais sous blister sur sa... Non, sur Mega Drive. J'avais chopé trois versions du jeu sous blister à 2,50€ pièce. Pas des conneries, hein. Trouver ça en magasin. Assez propre, pour le coup. Tu te dis, c'est bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'en mettre deux en vente, j'en ai mis trois en vente et j'ai pas fait gaffe. Je fais n'importe quoi, je vais crever. Allez, on va crever, ce sera plus simple. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu le truc sans m'en apercevoir, et quand j'ai fini par expédier le troisième, et que j'ai regardé s'il m'en restait en stock, le seul jeu
de ce que j'avais récupéré sous blister qui me restait en stock, c'était Revolution X, le fameux jeu pourri avec Aerosmith. D'ailleurs, un jeu que je ne conseillerais même pas à mon pire ennemi. Hein. C'est... vraiment une torture, une merde incroyable. Et je crois qu'il existe aussi sur Saturn, ce jeu. Donc ouais, du coup, ça fait partie des choses que... Maintenant, pour revendre un jeu, faut vraiment ou que je l'ai en double, ou alors... Même des jeux récents, hein, je suis toujours réticent à les vendre. Hein. Parce que le mec qui dit qu'il revend des jeux et qu'il perd pas d'argent... À moins qu'il revend des jeux rétro assez recherchés... Mais la plupart du temps, c'est du mytho. Hein. Ou alors, il faut qu'il tombe sur un zozo comme vendeur, mais... Les gogos, ça court pas les rues. Hein. C'est généralement le client hein, qui est pris pour un gogo dans le marché du jeu rétro, voilà tout. Mon frère m'a donné un Suikoden, entre autres. C'est possible de me faire adopter dans ta famille. Pour le coup, moi, pour un Suikoden, je vends mon boule. Il y a pas d'embrouille. Hein. Ah oui, c'est vrai, ce passage. Casse-toi, mais non, mais non, mais non. Heureusement qu'il reste 5 minutes avant Lunatique. Ah ben voilà. Salut Lunatique. Je vais refaire mon café. Après, il y a Rome Station. Bah oui, on n'est pas obligé non plus de dépenser un fric fou pour certains jeux, je vous le dis très souvent. Quand on parle de prix dans cette émission, on parle de prix, mais à but purement informatif. C'est moi ce que je considère comme étant le prix que vous devriez payer si vous voulez l'acheter. Voilà. Ni plus ni moins que... Ça, mon approche dans le guide du collectionneur, hein. C'est pas vous dire ah, le jeu vaut autant, c'est formidable, vous avez vu, non. Après, vous pouvez aussi avoir une philosophie un peu différente, hein, où vous dites le jeu il vaut autant, je me démerde pour l'acheter au plus vite, parce que je le veux et je le veux au plus vite, ou alors vous vous dites je vais prendre le temps, un jour je vais bien finir par le trouver, à un prix respectable, et puis voilà, hein, ça. Ça peut arriver. Après, espérez pas tomber non plus sur un... Le prix d'un Twinkle Star AES. En fait, en AES, moi, je suis absolument pas spécialiste. À la limite, si tu veux, je peux toujours faire des recherches. Là-dessus, tu peux me contacter. Ou sur Twitter, ou si t'as pas Twitter, par email. L'adresse, c'est donc leguideducollectionneur@gmail.com. Donc, le guide du collectionneur, tout collé. Hein. Et sans, je réponds à 98%, à moins que ce soit du spam. Là, je réponds pas. Il y a une personne qui m'a contacté il y a pas longtemps parce qu'elle avait démonté sa Mega Drive. Il y avait une pièce bizarre dont elle ne retrouvait pas la place. Et même si j'ai mis quelques jours parce que j'avais pas trop le temps, je lui ai répondu, il n'y a pas de problème. Suikoden 2, 45€ dans un cache. Fallait le prendre. Hein. J'ignore le prix actuellement, mais il fut un temps où... Les prix, ils étaient fous hein, sur ce jeu. Et justement, c'est faudra qu'on en parle dans une autre émission, parce que je pense que là, en 3 minutes, on n'aura pas le temps. Mais est-ce que vous pensez que, même en admettant, je parle là pour ceux qui sont les plus hypés par les prix des jeux, en disant, c'est super, ça coûte du pognon, donc c'est pour ça que c'est intéressant de collectionner, parce que j'en connais, en fait, que si demain, les prix viennent à se casser la gueule, ils arrêteront de collectionner. Parce qu'ils se diront, oh, bah, ça vaut plus rien... Est-ce que si pour vous, les prix viennent à chuter, est-ce que vous arrêteriez de collectionner? Ben en fait, moi c'est l'inverse. Hein. Si demain, les prix viennent à chuter, mais je crois que je deviens fou, quoi. Je deviens fou, hein. Si j'ai de l'argent à ce moment-là, je me deviens fou. Hein. Et malheureusement, je pense que les prix vont continuer à flamber pendant un bon moment. Hein. Voilà. De l'armure.
En tout cas, dans une... Waouh, ils vont se calmer, eux. Waouh, ils sont sérieux. Voilà. Donc, dans une minute, vous retrouverez Lunatique pour du Isaac TV. En tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour une émission consacrée au disque système. Et ben, en attendant, ben, on va rendre l'antenne maintenant. Ben, oui, le temps de vous dire au revoir, ce sera pile à l'heure pour Lunatique. Allez, du coup, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Hein, ben, même heure, même endroit, je pense. Enfin, même heure, c'est sûr. Même endroit, c'est certain. Pour un guide du collectionneur spécial Family Disque Système. D'ici là, des bisous. Portez-vous bien et bonne fin de semaine. Et surtout, restez pour Lunatique. Salut, salut!